Dépité. Pas de bousculade autour du micro. Ce match nul, 2-2, après avoir mené 2-0, reste en travers de la gorge des supporters marseillais. Les travers de l'OM sont toujours là. Bah à chaque fois, on joue 30 minutes et on arrête de jouer. On est nul. Il n'y a pas d'attaquant, on est nul. Scandaleux. Pas tenir les résultats. Tout le temps, c'est pareil. On en a marre. Tout le temps. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de lien entre les joueurs, il n'y a pas d'automatisme et tout. Il y a beaucoup de travail. Hein. Terrifiant, dégoûté. On avait toutes les armes. Première mi-temps, elle est pour nous. Deuxième mi-temps, elle est pour eux. 45 premières minutes, très très bonnes. Après, ils ont oublié le jeu en place. Ils se sont troués. La vérité, la première mi-temps, on était très satisfaits. C'était meilleur qu'à Monaco. Sauf que comme à Monaco, on ne sait pas tenir le score. On s'est fait rattraper encore une fois à la fin. On gagne 2-0. On joue comme si on gagne 5-0. C'est ça le problème. Et les mecs, ils se donnent pas. En deuxième mi-temps, ils se donnent pas. L'attaque, c'est toujours ça le problème. On a un Vitinha qu'on a payé, c'est le plus gros transfert du club. On a Aubameyang, voilà, c'était une légende. On se pose encore la question, qu'est-ce que ça fera? Deux doublés en Coupe d'Europe, en comptant les préliminaires, si je les compte. Après, en championnat, c'est un peu timide, on attend de voir. Il y a des joueurs qui sont pas bons et qui jouent quasiment les trois quarts du match. Correa, tout ça, c'est pas bon. Voilà. Donc le coach a du boulot. Beaucoup de boulot, beaucoup, et les préparateurs physiques aussi. C'est mieux depuis qu'on a Gattuso quand même. C'est qu'un 5 coach Marseille, c'était très dur. Mais ouais, il nous manque de la constance pour tenir 90 minutes jusqu'au bout. Pour moi, Gattuso, pour l'instant, à voir à la fin. Rendez-vous maintenant dimanche face au Havre.